وَذَكِّرْ فَإِنَّ الذِّكْرَى تَنْفَعُ الْمُؤْمِنِينَ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ إِنَّ الْحَمْدَ لِلَّهِ نَحْمَدُهُ وَنَسْتَعِينُهُ وَنَسْتَغْفِرُهُ وَنَسْتَهْدِيهِ وَنَعُوذُ بِاللَّهِ مِنْ شُرُورِ أَنْفُسِنَا وَسَيِّئَاتِ أَعْمَالِنَا من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار نسأل الله تعالى أن يجيرنا جميعا من النار طيب on a parlé la semaine dernière de sourate al-takathur. Nous n'avons pas eu le temps de traiter une deuxième sourate. Nous allons voir tout de suite sourate al-qari'ah. Al-qari'ah, c'est la 101e sourate dans le tertib du Coran, l'organisation du mushaf. Et elle a 11 versets, et dans l'ordre de révélation, c'est la 30e sourate qui a été révélée. Al-Qari'ah, son titre il vient de son premier verset, qui est Al-Qari'ah. Et Al-Qari'ah, on peut le traduire par le fracas, ou celle qui fracasse, la fracassante. Et Al-Qari'ah, c'est ism fa'il, mu'annath de qara'a, le fait de fracasser, de frapper avec force. Non. C'est un des noms du jour du jugement dernier. Al-Qari'ah. Et comme Allah tabarak wa ta'ala, il a donné beaucoup de noms au jour du jugement dernier. Al-Qari'ah, Al-Haqqah, Al-Tammah, Al-Ghashiyah, etc. Plusieurs noms au jour du jugement dernier pour montrer la gravité et la dangerosité de ce jour terrible qui est le jour où les gens se tiendront debout devant le Seigneur et Maître des mondes. Et Al-Qari'ah, elle a été appelée ainsi car un fracas s'abattra sur les gens le jour du jugement dernier. Et ils se retrouveront effrayés dans la terreur à cause de ce jour-là et de ce fracas. C'est pour ça qu'Allah tabarak wa ta'ala lui a donné donc cette importance. Mal-Qari'ah, wa ma adraka mal-Qari'ah. Mal-Qari'ah, quand Allah ta'ala demande ici, c'est un su'al, c'est une question pour montrer la grandeur de ce jour-là, la valeur et l'énormité de ce qui s'y passe comme événement. Donc Allah tabarak wa ta'ala dit Al-Qari'ah, le fracas, wa ma al-Qari'ah. Qu'est-ce que le fracas? Wa ma adraka ma al-Qari'ah. Et qui te dira ou qui t'informera de ce que Al-Qari'ah? Et subhanallah, comme a dit Cheikh Atiyah Salim, qui a fait Tatimmat Adwa al-Bayan. La plupart de Tatimma, une partie de Tatimma, il l'a pris Imla'an, min Sheikh Mohamed Al-Amin Shanqiti. Il lui a dicté, ou lui en avait parlé certains points de tafsir, ils l'ont appris, ils l'ont gardé. Et le reste, ils ont été chercher ce que le Sheikh avait déjà dit dans d'autres surahs, dans les mêmes points, où il a fait le tafsir sur le même modèle que le Sheikh. Ça, c'est les parties du tafsir que le Sheikh n'a pas fait, Sheikh Mohamed Al-Amin Shanqiti. Son élève, Atiyah Salim, l'a complété, comme on a dit. Donc il rapporte que quand Allah tabarak wa ta'ala, ça il rapporte du Cheikh, qu'il l'a déjà dit dans d'autres endroits, que quand Allah tabarak wa ta'ala dit « Wa ma adraka », il t'informe.
S'il te dit wama yudrika, elle ne t'informe pas. À chaque fois que dans le Coran il y a wama adraka, tout de suite après Allah Ta'ala, elle t'informe de ce que c'est. Il te donne lui-même la réponse, subhanahu wa ta'ala. Mais quand elle dit wama yudrika, là la réponse elle n'est pas donnée. C'est juste une question imma inkari, imma kada, dans selon les situations. Comme wama yudrika la'alla sa'ata takunu qariba. Là, il n'y a pas de réponse, il ne donne pas la réponse de cela. طيب mais ici quand Allah tabaraka wa ta'ala dit wama adraka mal qari'ah, et qui t'informera de ce que c'est al qari'ah, puis Allah ta'ala il t'informe directement après qu'est-ce que c'est ce jour-là. C'est lui qui t'informe, subhanahu wa ta'ala. Yawma yakunu an-nasu kal farashil mabthus wa takunu al-jibalu kal 'ihnil manfush. C'est le jour où les gens seront comme des papillons éparpillés. Et Allah tabaraka wa ta'ala, il a cité aussi cette même situation dans Sourate Al-Qamar, verset 7. Ils sortiront des tombes comme s'ils étaient des sauterelles éparpillées. Et subhanallah, Allah tabaraka wa ta'ala, il a parlé de l'qari'ah, qui est un verbe fort. C'est avec force. Elle fracasse. Et derrière, il l'informe de la situation des gens qui est une situation de faiblesse. Allah Ta'ala, il va les frapper d'un... Ils vont être frappés de ce fracas, ils vont être terrifiés et ils vont être affaiblis comme des papillons éparpillés ou comme des sauterelles éparpillées et les montagnes qui vont être comme du coton éparpillé. Donc, ça c'est un salib du Coran. Que quand il utilise la force, il montre la faiblesse de l'être humain et la faiblesse de la situation des gens. Naam. Et quand Allah tabaraka wa ta'ala cite يَوْمَ يَكُونُ النَّاسُ كَالْفَرَاشِ الْمَبْثُوثِ, c'est le fait qu'ils vont sortir comme un seul homme, bien sûr, de leur tombe. Pourquoi comme des papillons éparpillés? Ou comme il est venu dans Sourate Al-Qamar, comme des sauterelles éparpillées. Car les sauterelles et les papillons, il n'y a pas un insecte plus faible. Ou alors c'est parmi les insectes faibles. Et est-ce qu'un papillon, est-ce que quand il prend un chemin, est-ce qu'il prend un chemin rectiligne? Où il vague comme quelqu'un d'ivre, à gauche, à droite, à gauche, à droite. Il n'a pas une direction, une trajectoire rectiligne. Comme ça vont être les gens le jour du jugement dernier, frappés par le fracas, ivres du jour du jugement dernier, ils n'ont pas de trajectoire rectiligne. Ils sont comme les papillons ou comme les sauterelles éparpillées. Ça part dans tous les sens, subhanallah. Regardez comment le Coran il nous image ce jour terrible. Qui est le jour du jugement dernier. يَوْمَ يَكُونُ النَّاسُ كَالْفَرَاشِ الْمَبْثُوثِ. De même aussi, le farash, les sauterelles, ou même les papillons, bon ici c'est les papillons, mais dans l'autre verset, les sauterelles, ils sont en troupe, en groupe. Le jour du jugement dernier aussi, les gens ils vont se lever, ils vont être en groupe et en troupe, il y aura des masses, et chacun va vaguer à gauche, à droite, comme ces vagues de sauterelles, et de papillons que l'on peut voir avec nos yeux. Naam. D'ailleurs, le prophète, alayhi salatu wassalam, dans le hadith sahih rapporté par l'imam al-Bukhari, il a dit, mon exemple et votre exemple, c'est comme un homme qui a allumé un feu. Et voilà que les sauterelles et les papillons attirés par la lumière du feu viennent et plongent dedans et se brûlent. Et il essaye de les en empêcher, mais ils le traversent. Et moi, j'essaye aussi de vous retenir par vos ceintures, de tomber en enfer, mais vous fuyez de mes mains. Sallallahu alayhi wa sallam. Donc, regardez aussi comment, ici, le prophète sallallahu alayhi wa sallam donne l'exemple des hommes qui seront comment comme, qui sont comme des sauterelles ou des papillons qui vont se jeter au feu. Sallallahu alayhi wa sallam. Donc, ça vient aussi dans ce sens ici. Dans le sens qu'ils sont comme des papillons et comme des sauterelles, par la peur et par le fait qu'ils sont attirés par aussi les péchés et qui vont se jeter dans le feu. Sallallahu alayhi wa sallam. Tous les hommes seront réunis ce jour-là, barakallahu fikum. Ceux qui sont dans les tombes, ceux qui ont été brûlés, ceux qui ont été mangés par des bêtes féroces, ceux qui ont été avalés par la mer, tous seront ressuscités comme un seul homme devant Allah tabaraka wa ta'ala pour être jugés. يَوْمَ يَكُونُ النَّاسُ كَالْفَرَاشِ الْمَبْثُوثِ وَتَكُونُ الْجِبَالُ كَالْعِهْنِ الْمَنْفُوشِ. Et les montagnes seront comme de la laine cardée, c'est-à-dire éparpillée. Regarde les montagnes. Imagine-toi les montagnes avec leur solidité
elles seront comme de la laine. Et Allah Ta'ala, quand il cite les montagnes dans le Coran, il les cite selon différentes étapes, différentes situations. Et les ulama, ils ont dit que, en fait, les montagnes vont passer par plusieurs étapes. Elles vont devenir poussière, elles vont être comme de la laine cardée, elles vont après tassir, elles vont avancer, elles vont bouger. Tout ça, ce sera le jour du jugement dernier, tellement c'est un jour terrible. Sallallahu an yahfadhana. Wa takunu al-jibalu kal-ihni al-manfush, fa amma man thaqulat mawazinu. Quant à ceux dont leur balance sera lourde. Ici, dans ce verset, barakallahu fikum, il y a ithbat al-mizan. Il y a le fait qu'il y a une mizan qui aura la balance le jour du jugement dernier. Ici, il est venu bisirat al-jam'a, mawazin, al-mawazin, les balances. Mais les savants disent que ici, al-jam'a, il est venu bima'na al-mawzunat, laysa bima'na ma yuzanu bihi. Wa kadhalika bima'na al-ma'ayir, al-mawzunat, ce qui est pesé. Là, pourquoi? Parce que il a été rapporté de façon véridique que l'homme sera pesé lui-même, que ses actes seront pesés, que ses feuillets d'action seront pesés. Donc, tout cela sera pesé. Donc, ici, mawazinu, c'est pas dans le sens qu'il y a plusieurs balances. Sahih, c'est qu'il y a une seule balance. Mais elle va peser plusieurs sortes de choses. Hada ma'nan. Ça, c'est un sens de mawazinu. L'autre sens, mawazinu, al-mi'yar, la norme. Al-mawazin, c'est les normes. La norme avec laquelle les gens vont être pesés. Et la norme du jour du jugement dernier, c'est quoi? وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَى. الذَرَّة. La norme, c'est même الذَرَّة. Même l'atome, il va être pesé. واضح? نعم. فَمَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ فَأَمَّا مَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ وَأَمَّا مَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ فَأُمُّهُ هَاوِيَةٌ وَمَا أَدْرَاكَ مَا هِيَ نَارٌ حَامِيَةٌ. Donc, le jour du jugement dernier, les gens seront en deux groupes. Et en vérité, ils seront en trois groupes. Man thaqulat mawazinu, man khaffat mawazinu, ceux dont leur balance a été lourde, de bonnes actions, ceux dont leur balance a été légère, de bonnes actions, et ceux qui leurs bonnes actions et leurs mauvaises ont été égales. Ceux-là, ce sont ashab al-a'raf, comme Allah les cite dans le Coran, al-a'raf. Les deux groupes, ceux qui ont plus de hasanat et les autres, ceux qui ont plus de péché ou qui n'ont rien du tout, comme les kuffars. Pourquoi on dit que les kuffars, ils n'ont rien du tout? Est-ce qu'ils ne font pas de hasanat? Ils font des hasanat, mais ils sont récompensés dans ce monde. Dans l'au-delà, ils n'auront rien. Un kafir, quand il fait une bonne action, Allah le récompense en ce monde pour qu'il ne retrouve rien auprès d'Allah, subhanahu wa ta'ala. Allah, il est juste, subhanahu wa ta'ala. Il récompense tout le monde. Même le kafir, il fait un bien, il va avoir sa récompense en ce monde. Et le mu'min, sa récompense, elle est dans l'au-delà. Dans ce monde, il n'a que quelques bénédictions des bonnes actions qu'il fait ici. فَهُوَ فِي عِيشَةِ الرَّاضِيَةِ. Il sera dans une vie agréable. C'est quoi? C'est al-jannah, le paradis qu'Allah a préparé et qu'il a promis, subhanahu wa ta'ala, à ses serviteurs pieux, qu'Allah nous fasse les habitants de l'Firdaus al-A'la. Et ceux qui entrent au paradis, vous connaissez tous le hadith où le prophète alayhi salatu wassalam dit qu'un appeleur dira: il t'appartient désormais de vivre et de ne plus jamais mourir. Il t'appartient désormais d'être jeune et de ne plus jamais vieillir. Il t'appartient désormais d'être en bonne santé et de ne plus jamais tomber malade. Et il t'appartient désormais d'être heureux et de ne plus jamais être misérable. Une vie agréable où il n'aura aucune de ces choses dont il a peur dans ce monde-là. Sallallahu alayhi wa sallam min sukkaniha. Na'am. Fahuwa fi 'ayshatin radiyah. Wa amma man khaffat mawazinuhu fa ummuhu hawiyah. Et quant à celui dont la balance sera légère de bonnes actions, à cause de sa légèreté de bonnes actions, c'est pour ça le fa il est utilisé. Ummuhu, ici ils ont divergé. Quel est le sens fa ummuhu hawiyah? Certains savants ont dit fa ummuhu, il plonge dans les abîmes de l'enfer la tête la première. Ça, c'est un sens de ummuhu. Et si on prend ce sens-là, hawiya, c'est-à-dire il est en train de tomber dans des abîmes profonds. Yahwi. Amma, si on prend l'autre sens, fa ummuhu hawiya, ummuhu dans le sens la destination, sa demeure,
à laquelle il retourne. Al-Hawiyah, c'est un des noms de l'enfer aussi. Dans cela, on dira sa destination, sa demeure sera Al-Hawiyah, sera l'enfer, qui est l'abîme profond. Et il n'y a pas de mal, Inch'Allah, de prendre les deux sens, car il y a une qa'ida dans Ilm al-Tafsir que si un verset peut accepter les deux sens et ils ne se contredisent pas, alors les deux, on les garde. Et ici, Inch'Allah, il n'y a pas de mal. Il va tomber sur sa tête dans l'enfer qui s'appelle Hawiya et il va plonger profondément dans cet abîme. Il n'y a pas de mal, ça va dans le même sens, Inch'Allah. Non. Donc, Hawiya, certains savants disent que c'est un des plus bas degrés de l'enfer. L'abîme profonde. وَمَا أَدْرَاكَ مَا هِيَ نَارٌ حَامِيَةٌ. On revient à la règle qu'on a dit tout à l'heure. Quand Allah Ta'ala dit وَمَا أَدْرَاكَ, il te donne la réponse. Et qui t'informera de ce qu'elle est? C'est-à-dire quoi? Il dit quoi ce qu'elle est quoi? Al-Hawiya. C'est quoi Al-Hawiya? Donc Allah te donne la définition de Al-Hawiya. نَارٌ حَامِيَةٌ. Un feu ardent. Et comme il est venu dans le hadith sahih, rapporté par l'imam al-Bukhari, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit que le feu de ce bas monde n'est que 1/70 du feu de l'au-delà. Allah Ta'ala a fait que le feu de l'au-delà est 69 fois plus fort que le feu de ce bas monde. Quand il a dit c'est 1/70 que le feu de l'au-delà, ils ont dit, Ya Rasulallah, si elle était comme le feu de ce bas monde, elle aurait suffi, la kafat. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, mais Allah l'a fait 69 fois plus forte que le feu de ce bas monde. Dans un autre hadith sahih, le feu de l'enfer s'est plaint à Allah. Il a dit, Ya Allah, une partie de moi a dévoré une autre partie de moi, tellement elle est chaude. Tellement le partie de l'enfer chaude, elle est chaude, et tellement la partie glaciale, elle est glaciale. Allah, il lui a autorisé deux respirations dans l'année. Une respiration en hiver et une respiration en été. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, le plus glacial que l'on peut trouver, c'est qu'une respiration de l'enfer, et le plus chaud que l'on peut trouver, c'est une respiration de l'enfer. Il a dit donc, quand il fait très chaud, abridou bis salah. Attendez que la chaleur passe avant de faire la prière. Naam. Naam. Voilà ce que l'on peut dire, Inch'Allah, sur cette sourate.